In 1942, the Luftwaffe, aware of the development of a long-range rocket by the German army, began intensive development of a rival weapon, a ramjet flying bomb. The flying bomb entered service ahead of the army's rocket and became known as the V-1. Launched from ramps situated in the Pas de Calais, flying bombs were used to attack London in an offensive that commenced on June the 13th, 1944. Basically simple in design, the flying bomb was an economical and effective weapon of war. Traveling at speeds of up to 440 miles per hour, it severely tested the air defenses of England. In early September 1944, the flying bomb launch sites were overrun by advancing Allied armies. In a three-month offensive, the bombs killed over 5,000 Londoners, maiming and wounding many thousands more. Je suis sur le site. Autant vous dire que je suis dans le noir total. Alors, je vais essayer de me repérer puisque c'est pas facile. Je vais quand même mettre la lampe torche en attendant. Ouais, voilà. C'est plus simple pour moi au moins d'arriver sur le lieu. Donc on est sur le site V1, le fameux site que je vous avais parlé. Je suis désolé, ça fait du bruit. J'ai quand même pas mal de matos. Je vais essayer de tout serrer pour faire le moins de bruit possible. C'est mieux. Voilà. J'ai essayé de marcher sur le béton. Donc on est sur un site de lancement de fusées de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, j'éteins la lumière. Je suis dans le noir total. Alors déjà je viens d'entendre un bruit sur la gauche. C'est pas du tout rassurant. Je préfère vous le dire. Je vais mettre la facecam. Ça me rassurait un peu plus. Voilà. Donc, j'essaie d'avancer dans le noir le plus total. Tous les sons sont amplifiés. Simple. Donc j'ai le casque. Rien que ça. Alors c'est hallucinant parce qu'on entend toujours du bruit de voiture quand on arrive sur ce lieu désert. Voiture. Ah, vous voyez, il y a des voitures qui passent. Hein. Je suis pas loin d'une route. J'espère qu'il n'y en a pas un qui va avoir l'idée de s'arrêter. Et regardez.
quand je me sens un Français un peu plus dans le lieu, on verra moins la lumière. Là j'ai une torche allumée pour voir mon visage. J'essaye de marcher, mais j'y arrive pas. Ouais, voilà, c'est mieux. Je suis désolé, hein, ça va peut-être éblouir. Ça va peut-être éblouir, ça va carrément éblouir même. Ouais, je vais rester comme ça. Voilà, donc là on est sur un premier bâtiment. J'espère que ma torche fonctionne bien. Si je l'enlève, ça fait quoi? Ouais, ça fonctionne. On est sur un premier bâtiment. Je vais faire un zoom. Atelier d'assemblage. Voilà. C'est ici qu'ils assemblaient des fusées. Donc le site V1, c'est le premier site qu'on a visité avec Patrick. On n'avait rien du tout, hein. À l'époque, on n'avait que... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans ces murs, et qui voudrait éventuellement rentrer en contact avec moi? J'essaierai de rapprocher sans abîmer, ouais, mon caméscope. Donc ce site, c'est un site qu'on a visité de nuit, comme maintenant. Le tout, c'est qu'il fallait que je trouve le bâtiment. Ce qui est fait, je vais pouvoir me repérer maintenant. Après, la difficulté quand même. Je suis tout seul dans ce lieu. Et je vous assure que c'est pas du tout rassurant. Je suis venu ici en ami. Donc j'avais oublié l'enregistrement, voilà, je reprends. Donc du coup vous n'avez pas pu voir mon arrivée sur le site V1, je suis vraiment désolé. Je suis en train de parler à ma facecam. Bon voilà. Donc je vais reprendre puisque de toute façon la vidéo du caméscope fonctionne. Donc là c'est un site d'assemblage. Et donc je disais, c'est un site qu'on a visité avec Patrick tous les deux. C'était en février de cette année. Et c'est un lieu impressionnant. J'espère que vous allez pouvoir en voir. Ah, ça, c'est moi qui viens de mettre le doigt devant la caméra. J'essaie de trouver une façon de pouvoir bien régler que ça soit pas flou. Est-ce que ça va être flou? Oh, ça a pas l'air. Le problème c'est que... Non. Voilà. Moi je me rends compte qu'il va me falloir une deuxième cam. Hein. Deuxième cam, torche infrarouge. Donc oui, c'est un site qu'on a visité avec Patrick et on avait pris des photos. On était allé avec juste un dictaphone et des photos. Et c'est un site où on avait eu des anomalies visuelles. Donc j'espère que ces anomalies visuelles vont se manifester aujourd'hui. Je resterai jusqu'à épuisement des batteries, je pense. Mais là, la configuration par rapport à la dernière fois, c'est que je vois rien du tout, je suis dans le noir total. Alors, logiquement, si
Si je me trompe pas, il faut partir par là. Je suis dans le noir total. Je vois rien de ce qu'il y a derrière moi. Donc, là, je suis en train de marcher dans l'air, moi. Hop. Voilà. Logiquement, je devrais avoir un bâtiment. Waouh. Je devrais avoir un bâtiment. Oh là là là, putain. J'ai bien réussi à me casser la binette. Hein. Sur ma gauche. Je vais continuer. Faut pas que je me perde non plus. J'ai quand même allumé ma torche. Je vois rien. Je suis désolé hein, si ça vous éclaire. En facecam. Là, je suis un petit peu obligé de m'éclairer là. Je vois rien du tout. Je suis mis en infrarouge. Rien, bon. Et je suis perdu. Il y a quoi là? Un bâtiment. Ouais, d'accord, ok. Donc, si je raconte pas de bêtises, voilà. Deuxième bâtiment. Alors, apparemment, c'était le bâtiment qui servait pour l'électricité. Voilà. Alors, je pourrais pas vous dire. Et là, en face, il y a un autre bâtiment. Voilà. J'avais pas vu le pont la dernière fois. Bonsoir. Je m'appelle Olivier. Je suis venu en ami pour vous rencontrer. S'il y a encore des gens ici, ça c'est moi. S'il y a encore des gens ici qui souhaiteraient entrer en contact avec moi, là je fais la visite de votre lieu et je reviendrai. Merci de votre accueil. Merci encore. Désolé, il y a un peu de vent. C'est quand même rassurant d'avoir une torche. Hein. Je vous le dis. Hein. Je vois rien. Là, le bâtiment en face. Alors, j'ai une torche qui éclaire ma... Vous entendez les animaux? Je sais pas si je vais le faire en entier. Hein. Franchement, je vous le dis. C'est hallucinant. Je commence déjà à avoir des frissons. Alors qu'il se passe rien quoi. C'est que du bruit animal. Donc on va continuer les visites du site de nuit. Donc là on va dans le sens de la visite. Ça reste un lieu que je connais, mais ça reste un lieu quand même qui est... Donc logiquement sur votre droite, il y a un bâtiment je crois. Il faut que je fasse attention. Je mets les pieds. Ouais. Là, je vais vous montrer. Il y a vu le récupérateur d'eau. Réserve d'eau. Est-ce qu'on va voir quelque chose? Je suis en pleine forêt. Je suis pas du tout rassuré, je vous le dis. La moindre tache par terre. Alors si vous voyez une lumière au fond, c'est normal, il y a des éoliennes dans le coin. Si jamais ça s'éclaire sur votre caméra. J'espère par contre que ça s'est vraiment pas brouillé. Hein. J'essaye de faire en sorte que le focus ne brouille pas la vidéo.
Ici, il y a un autre bâtiment, je crois. Ouais. Comment on fait pour y aller? Est-ce qu'on peut y aller? Station de pompage. Il a levé la réserve d'eau sur la droite, sur ma droite, et l'eau devait arriver là, il y avait une station de pompage. J'essaie de faire attention en descendant, que je ne me casse pas la tronche. Donc on va continuer. Vous voyez, ça clignote au fond, c'est une éolienne. Une voiture sur la droite. Je suis pas loin de la route. Je voudrais pas me faire repérer. J'aimerais pas voir les gendarmes. Ils ont rouvert le lieu. Il y avait un arbre ici qui était tombé à cause de l'orage il y a un an. On avait eu des vents importants. Vous entendez les bruits de... On entend les bruits des animaux, c'est hallucinant. Là, logiquement, il y a un bâtiment qui est en ruine. Plus loin. Je suis désolé. Je tourne un peu la tête de temps en temps parce qu'il faut que je me repère. Il n'y reste que deux chutes dans ce bâtiment. C'est dommage, Patrick aurait été là. J'y serais allé, mais là, tout seul, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ici, c'était le bâtiment des officiers. Alors, pour son histoire, ce site aurait dû être prêt à faire décoller son premier V1. Et ils étaient sur les préparatifs de décollage. C'était en train de terminer, ce qu'on m'a raconté. Hein. Les gens qui s'occupent de ce site et qui font en sorte de l'entretenir. Ce qu'ils m'ont raconté, ce site était prêt donc à faire partir sa première fusée. Et malheureusement pour les Allemands et heureusement pour les Anglais, parce que la fusée n'est pas partie. Ils se sont fait bombarder en pleine nuit. Non, pas en pleine journée, pardon. Et ils se sont pris 800 tonnes de bombes sur la figure. Donc il y avait encore des gens sur place le jour du bombardement. J'essaierai de vous amener vers un trou de bombe pour vous montrer un petit peu la puissance. Au-delà d'une enquête paranormale, c'est un peu de l'urbex de nuit que je suis en train de vous faire faire aujourd'hui dans cette vidéo. L'ambiance est quand même très spéciale en pleine nuit comme ça.
quand même hallucinant. Le calme. Bonsoir, je m'appelle Olivier. Je suis venu en ami pour vous rencontrer. Je suis pas là pour vous faire du mal ou vous déranger. Si je vous dérange, faites-le moi savoir et je m'en irai. Je suis là pour visiter le site, votre très beau site, qui a malheureusement été bombardé. Et peut-être que vous y êtes resté ici. Et c'est pour cette raison que je viens de vous voir. Je vous veux aucun mal. Je vous remercierai de ne pas m'en faire. Si jamais il y a encore quelqu'un dans ces lieux. Et si vous souhaitez entrer en communication avec moi, c'est avec plaisir. J'ai l'impression qu'on marche derrière moi, mais non, c'est moi. Quelqu'un ici? Dans ces lieux? Qui souhaiterait venir me voir? Alors vous allez découvrir le cœur du site. C'est une maquette qui est reconstituée, mais ça va vous permettre de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Une fusée V1. Alors V1 pourquoi? Pour version 1. Où est-elle? Elle est là. Ça reste qu'une maquette, hein. Et ça vous montre un petit peu. Voilà, ça vous montre bien à quoi ça ressemblait puisque c'est une maquette reconstituée. Voilà. Donc elle est sur une rampe de lancement. Je vais passer dessous la maquette. Vous voyez, une rampe de lancement. Et ces rampes de lancement étaient dirigées vers Londres. Bien entendu, la version anglaise était là pour bombarder les sites. Celui-ci, malheureusement, malheureusement ou heureusement, hein, selon dans quel camp on se trouve, s'est retrouvé bombardé. Je vais faire une halte dans un lieu que j'espère la porte est ouverte. C'est... Le bâtiment est dans le coin. Tout ce que je me repère. Oh là là. Ça doit être ici. J'espère qu'il est ouvert. Je suis désolé, j'ai le fil de mon casque qui fait du bruit. Thank you.
Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Dans ce lieu? Et si c'était logiquement là que vous faisiez partir avec la fusée? Désolé, je suis du bruit, je suis en train de prendre quelque chose dans mon sac à dos. C'est un, on appelle ça un détecteur EMF. Il se peut qu'il s'enclenche à cause du téléphone portable parce que je me sers de mon téléphone portable comme gamin. Mais là, vous voyez, il est à zéro et si jamais il y a quelque chose qui s'y approche, logiquement, il devrait piper. Je vous ai mis par terre un boîtier. Ça s'appelle un détecteur EMF. Si vous souhaitez vous y approcher pour me montrer que vous êtes présent, n'hésitez pas. Il est là pour ça. C'est sans danger pour vous, rassurez-vous. Je suis désolé, je suis du bruit, je referme mon sac. Est-ce que vous pouvez vous approcher près de ce boîtier, s'il vous plaît? Je répète, c'est sans danger pour vous. Je suis déjà venu ici. Je suis désolé, je suis en bruit. Voilà. Hop. Je suis déjà venu ici avec Patrick. Essayer d'entrer en contact avec une éventuelle entité qui se trouverait dans ces murs. Je suis venu aujourd'hui pour reprendre. Essayer de reprendre contact avec vous, en tout du moins essayer de prendre contact avec vous, puisqu'on n'avons jamais réussi. Vous pouvez vous approcher près du boîtier, c'est sans risque pour vous. Qui est derrière moi, c'est un reflet, hein, rassurez-vous. Je viens d'entendre un bruit. Est-ce que c'est vous? Je viens d'entendre un bruit. Est-ce que c'est vous? Je viens d'entendre un bruit. Est-ce que c'est vous? Je viens d'entendre un bruit. Est-ce que c'est vous?
Est-ce que vous pouvez vous approcher près du boîtier, s'il vous plaît? Pour me montrer que vous êtes là. Je suis en ami pour essayer de vous rencontrer, essayer de prendre contact avec une éventuelle entité qui se trouvait dans ces murs. Je sais pas s'il va sonner. Ah bah mon portable n'est même pas en onde. Ça c'est très bien. Ça c'est le fil de ma caméra. Enfin de mon casque. Rien de paranormal. Vous entendez un bruit, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait venir me voir? Je repasserai. Je ne vous fais aucun mal, je suis là vraiment en ami. A tout à l'heure. On va continuer la visite de nuit. Nous continuons la visite de nuit. Je vais éteindre. Du coup, maintenant, je suis quand même un peu mieux isolé. Je vais rallumer ma torche. Voilà, vous allez mieux me voir. Et je vais éteindre celle-là. Voilà. Sauf qu'en contrepartie, je vois plus rien, moi. Ça va faire attention. J'ai dans ma main un boîtier qui peut éventuellement servir à me montrer que vous êtes présent. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Désolé pour le bruit. J'essaye de régler le focus. J'ai l'impression que la vidéo est un peu floue. On va aller sur un nouveau bâtiment si mes pas me guident au bon endroit. Qui aussi est très intéressant puisque celui-ci est dépourvu de matière ferreuse. C'est un bâtiment qui servait à... Il faut absolument que j'allume la lumière. Je vois rien, je suis désolé. Qui est dépourvu de matière ferreuse. Et c'est ici qu'il. Ce bâtiment était destiné à programmer. Le moindre son. C'est ici qui était destiné à programmer le.
montrer si on arrive à le lire. Alors ici, c'était fait pour programmer. Ici, vous avez le descriptif du verre. Voilà. Ici, il faut que je me penche. Donc, réglage du V1 dans le bâtiment amagnétique. Amagnétique parce que dépourvu de magnétisme. Il fallait qu'ils savoir que les fusées n'avaient pas la même technologie que maintenant. Enfin, les missiles. Ils ne sont pas pareils, les missiles. Et ils utilisaient des compas. Et c'est une lumière qui n'a rien à voir avec du paranormal, c'est des éoliennes, hein, comme je vous ai expliqué. Et donc, c'est ici que, logiquement, ils devaient programmer les fusées, puisque il y avait tout un calcul qui était fait pour que la fusée arrive au bon endroit. D'ailleurs, à l'époque, les fusées, ou même les bombes qui tombaient, n'étaient pas si précises que maintenant. On sort ? Je m'appelle Olivier, je suis déjà venu ici il y a quelques temps avec Patrick. Et on est revenu une deuxième fois, nous étions trois. Vous nous avez accueillis, chaleureusement, sans nous faire de mal. Je reviens aujourd'hui tout seul. On pourra éventuellement entrer en contact avec vous. Je souhaiterais, j'ai dans ma main un boîtier. S'il vous plaît. Si une entité veut bien s'y approcher. Puissiez le faire biper, s'il vous plaît. N'hésitez pas. Ça vous fera aucun mal. Ça me permettra juste de savoir qu'il y a quelqu'un qui est avec moi. Moustique. Je suis dans le noir total. Et je n'ai que l'écran de mon caméscope qui me permet de me guider. Je vous refais un essai sans la camière. Enfin, pas la camière, la torche infrarouge. Il est là. Pouf, vous voyez. Heureusement que j'ai ça parce que sinon, ce serait compliqué. Est-ce que vous pouvez vous approcher près du boîtier qui est par terre, s'il vous plaît? C'est juste pour me montrer que vous êtes bien présent avec moi ici. N'hésitez pas à venir vers moi, je suis quelqu'un de qui ne vous veut aucun mal. Oh vache! Je sais pas ce qui m'est passé devant, mais alors. Oh nom de Dieu! La frousse que je viens de me faire. Ça plus les sons de la forêt. Est-ce que vous pouvez vous approcher du boîtier, s'il vous plaît? Ce qui vient de passer, je sais pas ce que c'était. C'est passé tellement vite devant la caméra. Est-ce que c'était un oiseau? Est-ce que c'était juste un moustique qui est passé vraiment devant l'objectif? En tout cas, ça m'a fait sursauter. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait éventuellement communiquer avec moi?
Et auquel cas, il n'y a pas de problème, je suis là pour ça. Vous approchez du boîtier qui est devant moi. C'est sans danger. J'ai l'impression qu'on me tire en arrière. Je suis là ici pour vous rencontrer. J'essaierai de revenir. Si j'ai assez de batterie, n'hésitez pas. Le boîtier EMF est toujours à zéro. Je viens de vous dire que j'ai eu l'impression que me tirer par l'arrière, ça avait vraiment été minime. Je pense que c'est musculaire plus qu'autre chose. J'ai le boîtier dans les mains, vous pouvez éventuellement vous approcher et le faire biper. C'est sans danger pour vous. Alors là, je vais vous emmener dans un endroit. Je ne vais plus avoir beaucoup de batterie, moi. Il va falloir que je la change. Il va falloir que je rachète des batteries. Celle-ci m'a déjà fait... J'ai le focus en plus qui a du mal à se réguler. C'est chiant. Vous emmenez dans un endroit si je le retrouve. Un endroit assez impressionnant. Parce que c'est là. J'ai pas l'impression. Fameux trou de bombe. J'ai mon téléphone portable qui me dit que j'arrive au maximum du fichier. Génial. Je vais pas pouvoir faire continuer l'enquête. Donc ici il y a une bombe qui est tombée. Vous pouvez voir un peu la. Ça fait ça quoi, en largeur, j'ai l'impression. J'essaie de ne pas tomber, mais alors c'est la profondeur quoi. Alors je sais qu'on est en pleine nuit, qu'on voit pas grand chose, mais c'est hyper hyper profond. Ici on avait eu une anomalie visuelle. Une sphère verte. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui serait mort à cet endroit? Malheureusement, la bombe a pu lui tomber dessus en voulant partir. Désolé, c'est moi qui fais du bruit. J'essaye de régler comme il faut le focus. J'ai dû le dérégler mais il y a quelques temps de cela et du coup j'ai du mal à le remettre comme il faut.
j'entends rien. C'est calme. Je pense pas qu'il y ait quelque chose ici quand même. On aurait fait quand même 3 investigations et on n'aura rien trouvé. Mais au moins, j'aurais été sûr et certain. Waouh! Eh ouais, ça glisse. Il reste 6 minutes de batterie avant de passer à la deuxième. Il va falloir que je tourne sur ma gauche, logiquement. Je suis désolé, hein, parfois je baisse la tête, c'est pour voir où je marche. Mais désolé, il y a du vent. Et je vais devoir changer ma batterie. Je suis déjà pratiquement épuisé. Il me reste 6 minutes d'enregistrement. J'arrive quand même à mieux m'orienter. Je vais tourner sur ma gauche. Donc là, si je vais tout droit, je ressors. Je vais retourner sur ma gauche. Je vais pas avoir assez de temps pour faire tout. J'ai pas assez de batterie. Faut que j'en rachète malheureusement. C'est chiant. Bon, je suis plus qu'à 5 minutes. Il va falloir que j'arrête, que je stoppe 5 minutes la vidéo. Que je puisse changer la batterie de mon cam avant de reprendre. Je vais mettre dans ce bâtiment là. Bonsoir, je reviens vous voir. Je vais prendre votre lieu de 5 petites minutes, ou un peu plus, pour changer mon matériel. Je vous dis à tout de suite. Ok, reprise de l'enregistrement. Je viens de changer la deuxième batterie. Et ça sera la dernière avant de clôturer l'enquête. J'aurais préféré avoir plus de temps. Malheureusement, c'est pas le cas. On va faire avec. Ok. Je vais vous laisser ici un dictaphone. Voilà. Il fonctionne. Et on va faire une séance de PVE. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le reste de ce bâtiment, s'il vous plaît, et qui pourrait éventuellement entrer en contact avec moi? Je suis là pour ça. Essayez d'entrer en contact avec vous. J'ai dans la main un boîtier et aussi un dictaphone. C'est un enregistreur. Vous ne connaissiez pas ça à l'époque, hein, vous, c'était avec des bandes magnétiques. Je crois qu'elles étaient magnétiques d'ailleurs. Nous, c'est beaucoup plus évolué, mais c'est sans danger pour vous. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez laisser un message dans le petit boîtier que j'ai dans ma main droite, c'est le moment. Et dans ma main gauche, la main que je lève, j'ai un autre boîtier. Celui-ci est aussi sans danger pour vous. Et vous pourrez me faire comprendre que vous êtes présent. En vous y approchant, il va sonner. Alors, preuve que il y a certains téléphones portables, on ne sent pas les ondes électromagnétiques. Je le passe devant. Alors, vous pouvez le voir. Ça sonne pas du tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans ces murs, enfin ce qu'il en reste, de ce bâtiment? Je laisse le dictaphone et le boîtier par terre. Je vais prendre mon sac à dos que j'ai pas remis au dos. Qui n'est pas fermé, désolé.
le bruit, c'est moi qui remets le sac à dos. Hein. Je préfère dire systématiquement ce que je fais. Pour que vous puissiez différencier certains sons que d'autres. Donc là, je fais du bruit, je suis désolé. Alors ce que je vais faire, c'est que c'est tout simplement, je vais laisser le dictaphone à côté du boîtier. Comme ça, si jamais le boîtier se met à sonner, ben ça sera enregistré avec le dictaphone. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans ces murs, qui voudrait éventuellement entrer en contact avec moi? Et j'en profite pour faire quelques photos. N'hésitez pas, hein, je suis là pour ça. Si je mets pas le flash, ça va pas fonctionner. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser le boîtier ici, en fonction, avec le dictaphone en fonction. Et si jamais vous voulez entrer en contact ou laisser un message, ou me montrer que vous avez été présent alors que je suis parti, vous vous approchez du boîtier, il va sonner. Et le dictaphone va donc enregistrer le son. Je vous remercie d'avance si vous le faites. A tout à l'heure. J'ai dû remettre la pochette dans mon sac. Je me retrouve un petit peu ennuyé. Alors, logiquement, je devrais avoir voilà, le bâtiment qui servait d'électrique. Enfin, qui servait d'électricité. Enfin, ce bâtiment d'Alexandre. Oh. Je viens de me faire peur avec le reflet de mon. Le reflet de ça, juste là, avec ma lampe frontale. Je suis en train de prendre des photos, si vous le souhaitez, vous pouvez éventuellement vous mettre devant. Peut-être que vous souhaitez vous montrer votre présence en vous mettant devant la photo, n'hésitez pas. Alors je commence à mieux me repérer. Je vais avancer. Le chemin est un peu sinueux quand même. Enfin, vraiment que je trouve une solution pour ce...
ce casque avec ce fil qui fait du bruit. Regardez. Batterie faible, c'est pas vrai. C'est pas possible. Faire charger. C'est pas vrai. J'ai eu une lueur. Et tout de suite derrière, j'ai plus de batterie. C'est quoi ce truc? La batterie était pleine. Elle est pleine, il me met batterie faible. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait pas que je le prenne en photo? Je viens d'avoir batterie faible alors que j'ai de la batterie sur mon appareil photo. Il y a quelqu'un par là? Peut-être que quelqu'un est mort ici et qu'il souhaite se manifester, c'est maintenant. Après je partirai, je vais pas vous ennuyer. Sur une de mes photos, j'ai vu apparaître une boule blanche et ça m'a marqué une batterie faible juste derrière. Êtes-vous par exemple ici avec moi? N'hésitez pas. Je regarderai l'analyse. Et je suis certain que quand j'ai pris la photo, j'ai vu une boule blanche et juste derrière, j'ai eu batterie faible. Il y a quelqu'un ici ? Il y a encore ce focus qui a du mal à se caler, c'est un truc de malade. Je fais du bruit, désolé. Je peux plus se caler. Ah, c'est mieux. Bizarre. Wow. C'est rien, hein. J'ai pas été poussé, vous inquiétez pas, c'est moi qui a failli glisser. Il doit être, je sais pas quelle heure il est. Il doit être une heure et demie du matin. Et l'humidité. C'est la Normandie. Je n'ose pas retourner au bâtiment. Je suis tout seul, donc le bâtiment des officiers n'est pas sûr. J'ai quand même essayé de prendre quelques photos. Ah, je sens l'endroit. J'ai l'impression ici qu'on est d'être suivi. Par rapport aux autres endroits où j'étais tout à l'heure. C'est le fruit de mon imagination, je pense. De toute façon, ça doit être ça. Ça peut être que ça.
photo, me rapprocher le plus proche possible. J'irai pas dans le bâtiment, il est trop dangereux. J'y suis allé la dernière fois, j'avais filmé l'intérieur lors de notre deuxième enquête, mais on était trois. Il me serait arrivé quelque chose, j'avais du secours, là j'ai personne. Donc je vais pas m'amuser à descendre dans un endroit et y rester bloqué. C'est plus loin. Je voyais plus proche que ça moi. Non, ça a glissé. On est en automne. Je vais prendre quelques photos de l'extérieur du bâtiment pour montrer aux gens qui nous regardent votre bâtiment qui a été détruit lors du bombardement. Si vous souhaitez y apparaître, n'hésitez pas. Si vous voulez montrer que vous êtes présent dans ces lieux, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Ah oui, c'est barré, hein. Je vais pas m'y amuser. Je souhaite féliciter les pauvres. C'est la troisième fois qu'on vient de nuit. Je suis sûr qu'ils sont pas au courant qu'il y a des enquêtes qui sont faites dans ce lieu. Bon, après, que les gens se rassurent si jamais ils voient un jour la vidéo. Déjà, je les remercie et je les félicite. La résonance de mes pieds sur le parterre. Je les félicite pour l'entretien du site, parce que ça ne devait pas être dans cet état quand ils l'ont découvert. Je suis en train de me perdre, c'est par là, je crois. Ouais. Et donc le site a quand même été bien rénové. Comme je le dis tout le temps, je ne donnerai jamais le nom de l'endroit où je suis, pour éviter que des gens malhonnêtes viennent détruire, saccager. Donc je tombe pas, hop, voilà, on va continuer. Je vais retourner dans le bâtiment, j'ai un peu plus de batterie là. J'ai la boîte de l'appareil photo qui me gêne. Ouais. Hop, dans la poche. Ah, ce focus, c'est chiant. Alors, c'est la canne qui est pas assez puissante. Là, c'est complètement brouillé chez vous, je pense. Je vais essayer de... En avançant, peut-être que ça va se... Non, du tout. Voilà. Ah, c'est mieux. Je pense qu'à mon avis, c'est parce que... Il y a du mal à se caler à cause du fait que je suis de nuit dans le noir et qu'il n'y ait que la torche infrarouge qui fasse son travail. Je vais en acheter une deuxième. Donc Julien... Si tu regardes la vidéo, je vais te repasser commande. Je vais en mettre une deuxième pour avoir une meilleure luminosité. Je retourne sur le pas de tir, je vais prendre quelques photos. Rebonsoir. C'est moi qui mâche sur une feuille. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait éventuellement communiquer avec moi?
sûr qu'il y avait des choses ici. On est sur l'endroit qui était le plus visé du site. Le pas de tir, c'était l'endroit qui devait être détruit en priorité avec les autres bâtiments. Je pense que la concentration de bombes s'est faite là. Alors, c'est dommage, on n'est pas de jour, mais il y a des... Les gens qui rénovent ce site, en tout du moins, l'entre. J'ai marché sur un bout de bois en même temps. Mais j'ai entendu juste avant, alors je sais pas si c'est moi, un bruit très proche de moi. Ça commence à devenir... chargé, tu peux pas ne pas avoir de batterie, c'est pas possible. J'ai un moment de torche qu'on voit dans la dernière photo. Comment ça? Je me permets, je prends des photos. Si mon appareil photo veut bien fonctionner. Votre lieu. J'ai plus de boîtier avec moi. Je vais rester un tout petit peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ou est-ce que parce que ce bâtiment est resté conservé qu'il n'y a personne? Je peux peut-être vous entendre avec la... Avec mon casque, il est branché,
Le son est amplifié, donc si vous voulez me laisser un message directement à moi-même, n'hésitez pas. Caméscope pourra éventuellement enregistrer le son. Que vous pouvez taper sur la porte. Il y a le vent qui se lève, il y a un peu de feuille qui bouge. Je pense que c'est ça que je viens d'entendre. On entend marcher, mais non, pas marcher. Entendez les petits bruits. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Que je reparte pas alors que vous vouliez peut-être me dire quelque chose. Je me suis mis en ami. Ce bâtiment ne donne rien. J'ai l'impression. Alors, je vais pas pouvoir faire trois fois le tour parce que ma batterie va. J'ai un peu plus de batterie sur celle-là, mais à un certain moment ça va se vider. Je m'admire pas dans le. Dans... Je me regarde pas, c'est juste pour voir derrière s'il n'y a pas quelque chose. Malgré qu'on soit dans le noir, si jamais, on peut toujours aider. Oui, ça s'allume derrière. Regardez derrière moi. C'est les clignotants de la. Hop, je tourne dans l'autre sens. Les éoliennes. Oui, donc je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, je remercie et je félicite l'association qui s'occupe de ce lieu. Car même si c'est pas. Ah, regardez. Regardez ça. C'est ce qu'il nous avait dit. Ça, apparemment, ce que je peux comprendre, ce qu'on m'a dit. Ce serait les traces de pas de gens qui ont fui. Là, le béton où je suis, il était apparemment encore. Il n'était pas sec. Ah, si c'est ça, hein. Ça y ressemble. Oui, oui, regardez. Ah, on voit pas. Ça prend la taille de mon pied. Fort probable que quelqu'un ait fui, ou plutôt dans l'autre sens. Je prends des photos en même temps. Alors, c'est pas le truc qui est flou, c'est rien, c'est moi. Sur la photo.
C'est ici que j'avais eu une anomalie visuelle. Je vais reprendre, je suis à peu près au même endroit et on regardera. Et bonsoir. Je reviens vers vous une dernière fois avant de partir pour peut-être éventuellement entrer en contact avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui souhaiterait me faire comprendre qu'il est encore présent dans ces murs? Je prends des photos, n'hésitez pas à vous mettre devant l'objectif si vous voulez. Vous pouvez éventuellement enregistrer aussi un son que ma caméra enregistrera. Un mot, une phrase, quelque chose qui me prouverait que vous êtes encore présent dans ces murs. Enfin, ce qu'il en reste, malheureusement. Vous avez un très beau site. Très beau site à respecter. Et j'invite les gens qui sont amoureux de la Seconde Guerre. Enfin, amoureux de la Seconde. On peut pas être amoureux d'une guerre. Ils sont amoureux de l'histoire. Allez visiter ce genre de site. Et là, il faut que ce comment on continue. C'est pas possible, ça. J'arrive pas à le... Si je m'approche, ça fait quoi? Bah, ça fonctionne. En vérité, c'est ma torche hier qui est pas encore assez puissante. On voit un peu mieux. C'est quand même moins flou. Hein, je refais un essai. Vous allez voir la différence, quand même. Là, je la retire. Hop. Et avec, pouf. Donc ça fonctionne bien, mais c'est pas encore assez puissant. Donc Ose, quand je t'ai eu sur internet, tu as raison, il m'en faut une deuxième. Y a quelqu'un ici? J'ai eu l'impression qu'on m'avait tout tiré un tout petit peu en arrière tout à l'heure. Est-ce que si vous voulez le refaire, vous le faites, hein. Ça peut être aussi un moyen de me montrer que vous êtes là. Alors me poussez pas, me mettez pas par terre non plus. Je vous remercie de votre accueil si vous êtes présent et je vous laisse tranquille maintenant. Je continue ma visite. Merci à vous. Je vais continuer autour du bâtiment et je vais revenir sur mes pas. Enfin, revenir sur mes pas. Vous montrez le tour de bombe, l'appareil photo ne va pas prendre la photo. Non, il ne va pas. Trop de lumière ou pas assez de lumière, je sais pas. Le flash est en auto pourtant. Voilà. Allez savoir pourquoi qu'il prend l'épaule là. Moi j'aurais fait du shooting. Regardez l'épaisseur des murs. C'est impressionnant.
pratiquement un mètre large. Ah ouais, un bon mètre de large. Je continue au mauvais endroit, moi. Du tout. Désolé, il y a un peu de vent là. Avion. Ça représente un avion. Est-ce que c'est le trou de la bombe? Je suis un peu perdu là. Ouais. Non. Ça montre qu'il y a un avion qui a jeté, largué une bombe. Mais là, je suis perdu. Je crois que c'est là. Ouais. Je vais prendre en photo quand même. Oh, bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, à cet endroit? La dernière fois que je suis venu avec Patrick, j'ai entendu marcher sur la route derrière moi. À mon avis, il va y avoir des anomalies visuelles, mais qui n'ont rien à voir. Ouais, putain, il y en a plein. Qui n'ont rien à voir avec du paranormal. Voilà, on voit plein de petites boules. Ça n'a rien à voir. Je pense que c'est l'humidité. Après, la sphère verte. Ouais. Tige-moi. On s'en est tout simplement qu'il y a eu quelque chose qui est tombé là. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ces... Enfin, ici, présent, là. Qui voudrait me laisser un message? Je vais reprendre une photo. Des choses à l'écran, mais franchement, je préfère. Oh, elle est belle. Vous voyez, ça, c'est ce que je viens de voir. Pourtant, on voit rien ici. Il y a quelqu'un là. Ne tombe pas comme tout à l'heure. On va retourner au bâtiment. Désolé pour le vent. C'est désagréable. Très désagréable. Mes oreilles, donc vous l'entendrez sur la vidéo, pardon, c'est sûr et certain. Je vais bientôt partir et vous remercier du moment que j'ai passé ici au calme dans le noir avec vous. Je vais retourner au bâtiment. J'ai vu un truc sur ma gauche. Arbre.
et vous remercier pour ce moment passé ici avec vous, si vous m'entendez. Je vais aller récupérer mon matériel et m'en aller. Le reste de la vidéo me servira à pouvoir rentrer et retrouver mon chemin. C'est pas si simple, généralement, pour en sortir. Une nouvelle fois, bonsoir. Je viens récupérer le matériel. Si vous avez laissé quelque chose dans le dictaphone ou que vous avez fait sonner le boîtier, je vous en remercie d'avance. Ça me prouvera qu'il y avait quelqu'un ici qui a voulu communiquer avec moi. Ou en tout cas me laisser un message. Désolé. Sur la photo, il y a quelque chose. C'était soit mon doigt, soit l'écran. Merci à vous encore. Je coupe l'enregistrement. Et je récupère mon boîtier. Merci à vous. Merci. Bon. Je vais ranger mon matériel. Alors, l'appareil photo, je vais le garder parce que je vais reprendre quelques photos. Je suis désolé, je vais refaire du bruit. Avec le sac. Ressenti, bah... enquête seule. Bon, je connais les lieux, donc moins d'impréhension, mais ça reste quand même hyper fort. C'est quand même très impressionnant de se retrouver dans le noir tout seul en pleine forêt. Malgré le fait que j'ai laissé... Je suis désolé, hein, je suis pas resté dans le noir total, hein, c'est pas possible. La torche m'a rassuré. Je vous avouerai que j'ai pas pu continuer le fait de me voir. Le fait de me voir m'a rassuré. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un avec qui parler, quoi. Il y a quelqu'un qui me surveille alors que c'est moi-même. Merci. Merci à vous, je vais rentrer. Merci de ne pas me suivre. Je vous laisse dans ces lieux. Vous reposez. Merci. Merci encore. Alors, je vais utiliser... ma cam infrarouge pour pouvoir repartir. On va repartir par là. Simplement, on va retourner sur le bâtiment d'assemblage, et après aller tout droit. Et sortir du... Non. Bah, voilà que je me suis perdu. Logiquement, il y a le bâtiment en ruine. Le bâtiment d'assemblage, ouais, c'est ça. Visite. Oh là 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 là. Alors. Non. Comme quoi, la nuit, on peut se perdre facilement. Surtout en pleine forêt, alors que c'est balisé. Donc, logiquement, je vais pas pouvoir partir parce que je vais m'être perdu. Il y a un bâtiment sur ma gauche, ça c'est sûr. Pouf, je vais tomber. C'est sûr et certain. Ouais, voilà. Le tout c'était que je retrouve ce bâtiment là. J'ai eu une petite frousse de 2 minutes. Hein. Tiens, regardez. Il est complètement détruit.
je vais me dépêcher quand même parce que je vais plus avoir de batterie et après j'aurai plus rien pour m'éclairer. Ça m'embêterait. L'avantage de la torche sur infrarouge, c'est qu'au moins je vois où je marche. Je vais prendre quelques photos. Merci de votre accueil. Merci pour surveiller. Je sais pas si vous êtes là pour surveiller les lieux. Merci de votre accueil. Merci encore. Comme quoi il est entretenu. On va rentrer à la voiture. Donc bilan, comme d'habitude, hein, c'est la troisième enquête que je fais. C'est la troisième enquête où j'entends pas forcément de PVE ou autre. Après l'analyse me le dira pour le dictat. Mais alors c'est par là, j'ai l'impression. Ouais, il faut aller tout droit. Bonjour Madame Blanche. Hommage aux victimes. 1943-1944. Donc bah écoutez, comme d'habitude, hein, pas forcément de. Bon. Les simples bruits qu'on entend. Pour moi, je pense, ont tous été normaux. Il n'y a qu'à l'analyse, au calme dans la maison, que je pourrais dire s'il y a eu quelque chose de bizarre ou pas. Mais concrètement, rien. Point positif, j'ai fait ça tout seul. J'ai fait ça tout seul, je suis content de moi. J'ai dépassé mon appréhension. Je ne m'attendais pas à le faire. Enfin, franchement, je vous avouerai que je me demandais à la base si c'était même pas un signe d'avoir oublié et mon produit de cigarette électronique, parce que c'était ça que j'avais oublié à la base, et ensuite la sortie doit être là, je crois, et la carte mémoire. Putain, je vois rien. La sortie doit être donc quoi, ouais. Marche n'importe comment. Allez, où est la sortie? Elle est là. Salut, sinon. Comment on peut se perdre vite? Ah! Youhou! Je suis arrivé. Ouais, donc bilan, je suis content de moi. J'ai réussi à surpasser mes craintes et faire en sorte. Ah merde. C'est hallucinant, je me suis perdu quoi. Je suis dans le noir total, je vois rien. Oh là là. Je crois qu'il va faire que j'allume ma torche parce que moi je vois plus rien. J'ai marché près de la route. Là. Bon. On va suivre l'endroit bétonné, hein, parce que de toute façon, j'ai l'impression que c'est ici qu'il faut suivre. Je me suis déporté sur la gauche et comme quoi, et je me suis retrouvé face à la route. Logiquement, c'est là. Hey. Je suis totalement perdu. Nom de Dieu. Dans le noir. Alors, on va faire entendre un truc. Ah ben voilà, la voiture elle est là. Voilà.
je me suis fait un petit coup de flip là. Je me suis dit merde, putain, je me retrouvais tout seul dans le noir, j'ai pas retrouvé la voiture. Bon, voilà. Bon, bah voilà, je vais arrêter la vidéo ici. Bah, content de moi, hein. Content parce que j'ai réussi à dépasser mes peurs et à arriver à mon objectif de ce soir, c'était partir en enquête tout seul. Donc je vais terminer là. Je remercie les entités éventuelles qui m'ont accueilli ce soir et vous laisser tranquille. Merci à vous. Au revoir. Voilà, et donc bah, moi je vais arrêter là parce que j'ai plus beaucoup de batterie et je vous remercie de suivre notre page Château Sverboom. Allez, bonne soirée. Merci et à la prochaine.